Jany Longo est sans doute l'une des plus grandes figures du cyclisme français. Avec un palmarès impressionnant comprenant 13 titres de championne du monde, elle a également remporté une médaille d'or olympique lors des Jeux d'Atlanta en 1996. À cela s'ajoutent deux médailles d'argent, obtenues sur route à Barcelone en 1992 et en contre-la-montre en 1996, ainsi qu'une médaille de bronze en contre-la-montre aux Jeux de Sydney en 2000. À 50 ans, Longo a failli décrocher une nouvelle médaille olympique lors des Jeux de Pékin en 2008, mais a terminé à la quatrième place, un résultat qui lui a laissé des regrets. Aux Jeux de Pékin, je rate de très peu la médaille de bronze. Il faut reconnaître qu'à 50 ans, c'était un sacré défi. Encore aujourd'hui, je ressens une espèce d'amertume de ne pas avoir pu décrocher ma dernière médaille, a-t-elle confié. Sa participation aux Jeux de Pékin fut la dernière d'une carrière olympique débutée 24 ans plus tôt à Los Angeles. Elle espérait participer aux Jeux de Londres en 2012, mais la Fédération française de cyclisme en a décidé autrement, jugeant ses résultats au championnat de France insuffisants. Les Jeux, pour moi, c'est fini, avait-elle dit à l'époque. 12 ans plus tard, Longo n'a toujours pas digéré cette décision. J'avais dans l'idée de terminer par les Jeux de Londres en 2012, mais la Fédération de cyclisme a tout fait pour que je ne sois pas sélectionnable. On m'a mis des bâtons dans les roues, a-t-elle déclaré.